Hello baby love. Alors, salut, salut tout le monde. Oh potage oublié, voilà, super génial. Donc là, on se refait une petite carrière. Allez, c'est parti. Nouveau fermier, gérant d'affaires, partir de zéro. Donc bon, j'étais voir. On va faire moyen. On part avec 1,5 million. Là on part avec 500 000. On a rien, et là on part avec le tracteur, le machin, le cul. Ouais, c'est pareil que là, c'est parti. Donc, sur les 850 000 votants, il y en a 629 730 qui ont voté pour moi. C'est parti. On va faire un petit No Man's Land. Ok, bébé. Yes. Lady. And gentlemen, welcome to the Farmer Simulator Show with Mr. G. Donc, on a dit qu'on va se faire une petite carrière sur le No Man's Land. Hop, hop, parce qu'en fait, j'aurais bien commencé avec le steer, tout ça, mais... quand tu commences, il est déjà... faut déjà tout le réparer. Et t'en as pour, je sais plus, une blinde. Et c'est pas possible. Puis vu que l'année dernière, j'avais déjà fait cette map, putain, elle était magnifique. Avec cette petite ferme et tout, j'avais commencé tout petit. Donc là, on va commencer, je pense, avec 1,5 million. C'est parti. Go. On garde le même. Est-ce qu'on garde le même? Voilà, on garde. Ok, confirme, merci beaucoup. Donc là, voilà, c'est une map, il y a ça, là, c'est le garage, on peut acheter des trucs, là c'est pour du machin, des bidules, tu vois, le sucre, tac, là c'est où t'achètes tes tracteurs, bonjour. Toi. Là c'est où tu viens le faire réparer, où tu vends aussi. Hop. Là c'est pour acheter tes animaux, pour faire ton plein. Là il y a la route, on peut pas y aller. Et donc voilà, là il y a rien. Il n'y a que dalle. Il y a un point d'eau au milieu. Donc normalement, quand tu commences en petit fermier, tu commences par le 26. Le champ 26, là, avec... point d'eau, tout ça, pour les animaux, machin. Donc là, je sais pas du tout... ce qu'on va... où on va aller pour acheter quelque chose. Le terrain. Les terrains sont à 85 000. Acheter un tracteur. Donc on va acheter des tracteurs moyens. Et vu que l'autre j'ai du Massey et du John Deere, je pense que alors celui-là fait voir combien il fait. Celui-là il fait. Non attends. Hop. Celui-là il fait combien? 215 chevaux, 235, 264. 264 ça pourrait être pas mal. Bien sûr avec d'autres pneus. Hein. Enfin bon. 264. Celui-là. 247. 287 chevaux. Ouais, il y a celui-là aussi, il est magnifique celui-là. Mais on prendra après pour le 300. 247 chevaux. Allez, on prend celui-là. Configuration standard. Ah. Ouais, suite là. Je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Marque des pneus. Michelin, sont comment? Michelin. Continental. Vitas. Oh, ceux-là, ils sont pas mal, ceux-là. Alors, fais voir les BKT.
Becquetés sont bien larges. Avec masse. Ah ouais, mais j'aime pas le... J'aime pas le petit insigne en haut, là. Ils sont pas mal, ceux-là, non? Je veux voir les Michelin, quand même. En large. Ouais, en large, ils sont un peu moins larges, hein, j'ai l'impression. Hein. Ils sont un petit peu moins larges que le BKT. Ça, ouais, mais ça fait chier, après, avec les inscriptions. On peut pas mettre sans le Life Front halogène, non, c'est pas ça. Couleur principale, ok, d'accord. Alors, tac, tac, tac. Attends, excuse-moi. Rusk Warrior, Michelin, on va prendre. On va revenir au BKT. Avec la masse, on prend ou pas? Oh, je sais pas si on prend avec la masse. Il est plus joli avec la masse. Allez, on prend avec la masse. Intérieur. Intérieur. Dark green. Light green. Ah ouais, là c'est comme ça. Là c'est gris, ouais, ok. Beige. Ah, pas mal, beige. Beige, sinon on prend beige. En beige. Ah, en beige. Ouais, non, ça change en dark green. Allez, dark green. Ça, halogène. Ouais. Bon, en vrai, quand il est en truc... Bon, attends, ça on verra après. Chargeuse, on va quand même le prendre en chargeuse, parce qu'on sait jamais. Donc, 228, 247, HD. Alors, 247 chevaux en TTV. C'est quoi la différence? Ah, c'est les phares! Fais voir ça. Ah, oh, je sais pas. Comme ça ou comme ça, comme ça, comme ça, je sais pas, pas trop large là. Comment on fait? On prend quoi, les gars? Je sais pas ce qu'on prend là avec le truc là. On saoule avec leur truc là. Alors attends, du coup là on est... HD, on est comme ça. Et en TTV, on est comme ça. HD, comme ça. Écoute, on va prendre en HD. Je sais pas. C'est plus cher. Et normal, t'es comme ça. Alors, normal, t'es comme ça. Après, ça doit être le... Allez, on prend comme ça. La plaque, c'est quoi? W608TT, ça vous va? Bon, on va changer la plaque. Qu'est-ce qu'on met? On met... Hans 2Pix. 2Pix, oh là là, attends, comment on va faire ça? On va faire HS. H. S. Là du coup on peut pas mettre de Pix S HS 020 PS. Arrière uniquement, bien évidemment. Ok. Ok. Ah ouais, alors attends. C'était les phares qu'on voulait voir. Les phares, les phares, les phares. Un petit peu de gueule comme ça aussi. Non. Allez, le petit, on va le prendre comme ça. Il est pas mal comme ça. J'aime bien. Allez, acheter. On the road again. Yes. Ok, on va tout de suite prendre une masse. Hop. Comme ça, ce sera fait.
masse. Donc on a dit de la classe, non. 600 kg, 700 kg. 700 kg, une tonne. Une tonne 5. On prend la masse à plein. Pas mal. Comme ça, avec le petit phare. Office, donne-moi un numéro entre 1 et 60. Combien? 59. Wow, 59. Oh mince, attends, je suis tombé. Attends, le 59. On va aller voir le 59, qu'est-ce qui se passe là-bas. Là les gars, alors on sait qu'est-ce qu'on pense de ce moment-là, on va ça. Là. On commence là. Ouais. Voilà. T'es sûr le 59? Tiens, pour commencer, on va... Un peu de bois. J'aurais préféré un petit 33, 34, 35, 27, 23, 27. Bon, on achète le 59 alors. On va acheter le 59. Faut qu'on regarde quand même parce que là, faut quand même que je regarde les dimensions. Oh, mais ça se finit dans 10 minutes.